Angelina Jolie a demandé le divorce à Brad Pitt en septembre 2016, la procédure n'est toujours pas finalisée. Les ex-Brangelina continuent de se battre pour la garde de leurs enfants, et n'ont pas encore trouvé un accord qui les satisfait tous les deux. Récemment, certaines rumeurs affirmaient que l'actrice tentait de tenir ses progénitures éloignées de son ex, si bien qu'Angelina Jolie serait sur le point de perdre la garde de ses enfants. La star démentait fermement ces accusations. Ce week-end, le monde entier célébrait les papas, et Angelina Jolie a évidemment autorisé Brad Pitt à passer la fête des pères avec 5 de leurs 6 enfants, Pax, Zara, Philo et les jumeaux Vivian et Knox Bay. L'acteur les a retrouvés à Londres au Royaume-Uni où son ex-femme tourne actuellement la suite du film Maléfique. Selon une source du magazine People, Brad Pitt est un père génial, et il a toujours aimé être avec ses enfants. Il ne parle pas mal d'Angie, mais il a l'impression que c'est de sa faute, si les enfants ne veulent pas passer plus de temps avec lui. Selon un autre informateur, Brad Pitt, dont la fortune impressionnante a été dévoilée, n'aurait pas un emploi du temps trop chargé pendant l'été, alors qu'il travaille sur le tournage du prochain film de Quentin Tarantino à Hollywood. Ainsi, l'acteur compte fréquemment s'envoler vers Londres pour y retrouver ses enfants. Brad Pitt était probablement très heureux de passer la fête des pères aux côtés de Pax, Zara, Philo et les jumeaux Vivian et Knox. Mais on ignore cependant pourquoi Maddox n'était pas présent. De son côté, Angelina Jolie était en Irak avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.